Madame, monsieur, bonsoir. Ou bien l'OMBC, vous pouvez suivre l'information en créole. À nous, ensemble, ben titre, sa journal là. La Pentecôte célébrée aujourd'hui dimanche, au 50e jour de Pâques, en fait, côté ban chrétien commémore le don de l'Esprit Saint. Pour qui récolte sucrière déroule sans incident, finena la prière grand matin dans Kobil-Touké, ministre des Finances, il fait un appel pour retourner vers la terre, 10 000 hectares terrain actuellement abandonnés. Nous avons lavé la coupe, potré et planté. Cannes, grâce à Cannes, sauf famille, fin arrivée. Nouvelle des courses, première journée des courses organisée par People Stuff PLC, une fête aujourd'hui, et organisateur bien satisfait, des courses principales, fin gagnées par Color My Fate, entraînées par Amor Siodial. Déo, un incendie suivi d'une explosion dans un entrepôt container dans Bangladesh, hier, une fête 49 morts. Aujourd'hui, c'est dimanche, la Pentecôte, dans ben l'église, un symbole, ben oiseau, dans ben l'église, un oiseau blanc, symbole de l'Esprit Saint, qui vient l'eau ben apôtres. Et ce jour-là, l'église gagne sa mission, annonce la bonne nouvelle, résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, visitation. Cinquante jours après Pâques, ben disciples Jésus t'y réunit autour la Vierge Marie, quand Saint-Esprit fin pose l'on sacène parmi eux, et ce fin commence cause différents langages. La venue Saint-Esprit t'y annoncée par Jésus-Christ 10 jours plus bonnaire pendant ce l'Ascension. Le mot Pentecôte veut dire 50, et c'est un événement qui se produit 50 jours après Pâques. D'une manière extraordinaire, les premiers chrétiens réalisent qu'ils sont de pays différents, de nations différentes, d'origines différentes, mais ils sont réunis par la même foi. Et c'est pourquoi c'est une fête formidable qui nous redonne le dynamisme, l'espérance. Et aujourd'hui encore, l'Esprit Saint nous fait grandir dans l'unité et dans la mission pour témoigner de cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité au monde d'aujourd'hui. La Pentecôte, c'est l'occasion de célébrer Saint-Esprit, troisième personne, Trinité. L'Esprit Saint vous vient éclairer nous. Aide-nous aussi à mieux comprendre l'Écriture sainte et qui nous aussi à avancer dans notre vie de tous les jours. Ça nous rappelle que chaque jour que Dieu fait, on a un consolateur qui est là à côté de nous, qui peut nous accompagner dans notre vie, nous soutenir dans nos activités quotidiennes, nous soutenir en famille et nous inspirer dans nos business. Moi, recevoir le Saint-Esprit, c'est une confirmation. Et après 50 jours de la Pâque, et pour moi, c'est un jour bien important. Et n'a pas de la messe spéciale, sa dimanche Pentecôte-là, pour célébrer début évangélisation et fondation de l'Église. Le ministre des Finances vient de faire un appel pour que Dimoun retourne à la terre. 10 000 hectares terrain actuellement abandonnés. Le docteur Ranganathan Padayachi vient de prendre la parole à Zodi, grand matin, dans une cérémonie qui tient à lieu au ville Amatouké, dans Grand Diable. Tiens à un moment la prière avant qu'on commence récolte sucrière. Le grand argentier finit aussi dire que le budget 2022-2023 pour un exercice délicat à cause des crises. Il a ajouté aussi qu'un retour à la plante, qu'un retour plante légumes et qu'un la sucre capable d'être payé pour, dans les temps difficiles, la coupe pour démarrer dans 2 semaines dans Terra et Calteo. À nous qu'ils sont ensemble. C'est une tradition qui est née depuis beaucoup d'années. Présente ban première tige canne à sucre comme offrande à Amatouké avant qu'il la coupe commence. En sa première dimanche de juin, finena ban la prière spéciale pour demander bénédiction afin que tout le monde qui est impliqué dans la coupe ne gagne aucun accident,
qui la déesse protège ban champ de ban intempéries, mais surtout qui nouveau récolte Libon. La récolte sucrière pour commencer les 20 juin dans Terra dans le nord et dans Alteo dans l'est. Omniken, qui pour démarrer sa campagne les 4 juillet, compte produire 85 000 tonnes d'ici que ça l'année-là. Ce CEO, Jacques Dunienville, dit y confiant dans l'avenir à l'industrie canière grâce à soutien continu gouvernement. Nous tous aujourd'hui nous réunis solennellement grand matin pour faire la prière, pour demander bénédiction bon Dieu, pour les peuples unis, qui nous tous nous mettent la tête ensemble pour nous traverser ce moment difficile là. Et notre désaffaire perfecter le monde entier, prix l'énergie peut monter, denrées alimentaires peut monter, sécurité énergétique, sécurité alimentaire. Et nous connaissons Maurice, l'industrie canière, il représente ça désaffaire là, potentiellement. Aujourd'hui, nous pouvons faire l'énergie avec la canne à sucre. En passant, je remercie le ministre des Finances parce que depuis l'année dernière, il instaure une rémunération pour la bagasse. Ça, il y a un grand encouragement pour planter continue, plante canne. Et là, ça l'année-là, j'espérais pour aller encore un peu plus loin avec le Biomass Framework qui pour encourage ben planter plante biomasse, ça veut dire du bois, toutes sortes les autres plantes qui pour capable après convertir en énergie. Ministère Finance finit appel à un retour à la terre pour notamment selon lui surmonter ben conséquences crise alimentaire et énergétique qui finit arriver avec la guerre en Ukraine. Nous avons plus que 10 000 hectares, plus que 25 000 arbres qui nous ont abandonné parce que soit nous ne pouvons pas avoir plus, soit les rapport suffisamment. Donc nous, nos gouvernements, sous vision Premier ministre, nous tout le temps, dis-moi, faire en sorte que les gens regagnent l'envie, travaillent la terre. Faire en sorte que les gens recommencent, occupent, acheter la terre pour faire plantation, qu'il y canne ou bien légumes. Ça décrit ce qui nous peut gagner là. Montrez-nous l'importance qui nous occupe nous la terre, la préparation budget dans une période nous dit particulier parce qu'en même temps nous passons dès l'année quand me penser personne d'entre nous qui pensait nous passe comme ça. Nous en tant qu'un gouvernement responsable, nous peut travailler dur, nous peut travailler beaucoup pour trouver tout bon moyen pour qui allège sa fardeau pour la population. Président Savan Tamil Benevolent Society et aussi ministre de la Santé, finzote cause le collaboration de toute la population pour faire avancer le pays. Kovila Matuke, qui est dédié à Ammatuke, qui est une forme déesse Durga et Mahakali, est principalement vénéré pour prospérité et bonne santé. Sa lieu de culte-là accueille chaque jour de nombreux dévots qui sortent quatre coins pays. Il y a des gens qui ont valé le travail. Nous avons beaucoup de pères de famille qui ont valé le sacrifice pour construire l'avenir de sa famille, de ses enfants. Pirana Lachana vient planter à la région Belle-Rive, ancien planter édité, sa habitant, Candemascla, et a 3 enfants. Plus grand, il a 27 ans, il est docteur, deuxième, il est ingénieur, et petit, il est en primaire. Il est jeune. 35 ans depuis que Lachana Virama occupe 14 ans la terre dans Belle-Rive. Un terrain à bail, dans lequel il finit d'abord cultive d'été pour ensuite concentrer l'eau canne. Là, nous occupons la terre, n'importe qui du monde travaille dans la terre, mais ça, nous disons la terre, c'est un moment. Ça revient qui de nous là, ou prospérer avec ça. Sa père de famille là, pas fin faire de longues études, mais bien vite, il finit comprendre que l'éducation, c'est la clé pour un meilleur avenir. Sous par sous, il finit économiser pour donner le meilleur à ses 3 garçons. Mon père est beaucoup, mon père jusqu'à 6e, après mon père forme D. Mais là, là mon commence à travailler. Je suis content pour mes enfants, arriver, mon cause avec mes enfants, je ne comprends. Mais seulement, mon père fait mes efforts, mon le maximum, ce qu'il est capable de faire, mon père fait pour eux.
Mais c'est vraiment fier de mes enfants, on réussit à arriver. On nous a pris moi beaucoup d'affaires. Ce détermination fin aider dans prospérité sa famille. Ce grand garçon, Vishram, âgé de 27 ans, est docteur dans l'hôpital Flac. Deuxième là, 25 ans, est ingénieur en électromécanique. Et que le dernier, Kavish, il a 10 ans, est dans l'école primaire. Je suis bien fier de mes parents, surtout mon papa, mes efforts qu'il fait pour tous les trois enfants. Donc, il travaille nuit et jour, des fois, il fait garde sécurité, il travaille dans carreau, carreau zézame, carreau canne. Il même travaille maçon aussi. Il fait beaucoup de sacrifices pour nous. Les parents font beaucoup d'efforts pour avoir nous l'école, sacrifier pour avoir nous l'université. Comme aujourd'hui, mes enfants ont beaucoup de facilités offertes par le gouvernement, comme l'université gratuite. Et éventuellement, les enfants-là aussi ont bien fait ces efforts. En plus des autres carrières respectives, Ban Gorson, la Chana Virama, pas fin oublier qu'il a terre fin nourris autres. Aujourd'hui encore, je prends plaisir pour aider les papa dans Karokan. Une maman, le sacré. La Hindu House fin organise un programme culturel samedi pour nos ban maman dans le cadre de Fête des Mères. L'invité d'honneur pour l'occasion, l'épouse du Premier ministre, Kobita Jagnat, fin saluer tout ban maman. Sa cérémonie-là fin dérouler en présence plusieurs parlementaires, dont ministre Kalpana Kundusha, Avinash Tilak et Fazila Dila Dogyaou. Reportage. Pour Ono Ban Mama, dans le cadre de Fête des Mères, Hindu House organise un programme culturel dans ce siège qui trouve dans Kassi. Épouse Premier ministre est invitée d'honneur. Ban Madame fin honorée avec Ban Flair. Dans ce discours bienvenue, présidente Hindu House fin cause de l'importance respect envers Ban Mama. Comment nous ban livre sacré dire Matri Devo Baba, nous visons respecter nos mamans, ainsi nos papas, comment nous respecter bon Dieu. Dans son intervention, ministre Avinash Tilak finit dire que l'unité est primordiale pour surmonter ban moment difficile. Quand nous pouvons faire face aux difficultés, qui nous besoin faire? Nous besoin aujourd'hui, premier, nous reconnaître que le gouvernement peut faire tout ce qui est capable. Et ça, la population reconnaît cela. Pense nous maman, ce qui nous montre nous, l'éducation qui nous amène de nous, sanskar qui nous amène de nous, ce qui doit difficulté vis-à-vis de haine. Autour du gouvernement, autour du Premier ministre, parce que le Premier ministre, lui, quand l'île prend une décision dans l'intérêt de la population, il prend. Ministre Kalpana Kundusha finit rappelle l'engagement de ce gouvernement dans la lutte contre la drogue. Est-ce qu'il y a une lutte, Premier ministre, qui s'est engagé dans un combat contre la drogue, comment nous, Premier ministre actuel, peut faire? Quand nous faisons une saisie pareille, quand nous empêchons la drogue rentre dans nos chemins, dans nos sociétés, nous pouvons protéger nos populations, nous pouvons protéger nos enfants. Alors moi, je dis, nous comme maman, moi personnellement, et tout maman d'accord ici, nous devons saluer le Premier ministre pour ce combat sans relâche qu'il peut amener. Ban invité fin pour l'occasion écouten Santé, interprété par Banzen étudiant de l'Institut Cavendish. Tout ban maman mou koin gen l'occasion célébrer avec zot ban enfants, mais parfois nous pas réaliser nan ban maman ki zot pas gen sa l'occasion là. Et zodi ni nan ban di moun depuis 4 hommes dans l'île kin là, et mou pense ça fait zot chaud au cœur. Qui nous rappelle zut et qui peut célébrer sa fête là avec zut. Un travail une maman, vous faites lien avec l'amour. Monsieur tout maman pour d'accord avec moi. Si nous t'y cas prend toute souffrance nous enfants l'eau nous prend lit. Donc tout ce qui nous a fait c'est donner zut l'éducation, donner zut valeur, donner zut ban paramètres pour zut grandir, pour qu'ils zut aussi zut garde bout de zut les pieds. Ban invité fin aussi capable apprécier ban danse haut en couleur. Certains pas fin capable en pesot pour danse l'eau santé interprétée par Claudio Viraragou. Tiens aussi au programme sa sketch là qui dit bien émouvant, il relate l'amour d'une maman pour ses enfants malgré ban circonstances. Programme culturel fin terminé avec un déjeuner offert par Hindu House, un moment bien chaleureux autour de Saripala pour dire merci à tout ban maman qui fin faire beaucoup ban sacrifices pour assurer l'avenir de ses enfants. Un photo souvenir pour immortaliser sa fête des Méala.
première journée des courses organisée par People Stuff PLC une fois aujourd'hui et organisateur bien satisfait. Le jockey Akash Ocharaz fin gagne un triplé alors que le jockey sud-africain Beno Faidherbe in décroche lui un doublé. Les courses principales fin gagné par Color My Fate entraîné par Amor Sidoyal. Alors qu'ils sont ensemble. Départ de la course principale, Kamadeva sollicité donc aux avant-postes, Ustin également bien parti, Color My Fate va tenter maintenant de talonner, même de passer devant Kamadeva, Color My Fate, Kamadeva, Ustin, en dehors il y a Haler et Stop All The Clocks en cinquième et dernière position. Color My Fate prend franchement l'initiative face à Kamadeva dans cette épreuve principale, Ustin, Haler et Stop All The Clocks qui a du mal à rester dans le rythme, les chevaux ne vont bientôt pas tarder à entrer dans la ligne droite finale avec Color My Fate qui tient le bon bout. Kamadeva reste bien dans le coup avec Haler qui se rapproche en pleine ligne droite maintenant. Color My Fate, Kamadeva va arriver à l'intérieur de Color My Fate. En tout cas, beau duel entre ces deux chevaux. Color My Fate repart et reprend l'avantage sur Kamadeva. Color My Fate devant Kamadeva. Color My Fate s'impose devant Kamadeva. Haler, Ustin et Stop All The Clocks en tout cas. À nous, à l'Algetin, page plus Bastella. Environnement Aster. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le ministère de l'Environnement finance la campagne contre l'utilisation par quantité plastique. Lancement là, il faire dans le centre commercial Phoenix, à Zodi, dimanche. Le ministre de l'Environnement, qui est là, finit également faire un constat des lieux, de la plage, puis en flac, côté la National Coast Guard et la Beach Authority. Une aide pour nettoyer la plage et lagon. À nous cause à Stella une page internationale, au moins 49 dimoni trouvent la mort et plus que 300 blessés dans un incendie qui finit déclenche une gigantesque explosion d'un produit chimique d'un entrepôt conteneur dans Sikuntala, dans Bangladesh. À nous guette nouvelle des temps, situation générale, et n'a un avis de faute houle en vigueur dans Maurice, et qui est valable jusqu'à demain, 6h, tantôt. Prévision pour une prochaine 24 heures, les temps pour m'y couvrir à soir, et demain grand matin, surtout pour T.S. Maurice et le plateau central. Température minimale, il peut varier entre 16 et 18 degrés le plateau central, alors qu'il est en 19 et 22 degrés l'eau la côte. Température maximale pour voyer entre 21 et 24 degrés l'eau plateau central, entre 26 et 28 l'eau littorale. La mer pour bien haute en dehors récif avec bande vague gros. Marée pour haute, demain 4h16, et pour basse demain minuit et 11h24. Soleil pour lever demain matin 6h40 et les poils coucher 17h37. Nos journaux terminent ici. Merci au fin de suivre nous. Bonne soirée.